Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 16 de Au coin du Blu-ray. Épisode 16, donc toujours consacré à la lettre G. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, la lettre G, j'ai pas non plus beaucoup de choses, et encore une fois, la plupart des films que j'ai dans la lettre G aussi, ce sont des films dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne. Je pense par exemple à un film que j'ai hésité à évoquer, mais où je me suis dit qu'en plus il avait déjà été évoqué récemment par un autre grand youtubeur, c'est Gods of Egypt d'Alex Proya. Mais là, pour le coup, Gods of Egypt, comme je l'ai dit à l'époque, pour moi, ça reste un bon délire devant lequel on se marre bien. C'est pas très intelligent, c'est assez bas de plafond, mais on s'éclate bien devant. Mais où du coup, j'ai été confronté à cette idée que les trois quarts des films, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc je me suis dit que quitte à parler à nouveau d'un de ces films, il fallait que je parle d'un film qui a eu un faible écho lors de sa sortie en salle. Et quand je dis un faible écho, c'est un euphémisme. Pour moi, lorsqu'il est sorti en salle, ce film, il n'a pas trouvé son public et il s'est fait enterrer directement. Et cet excellent long métrage, c'est Green Room de Jeremy Saulnier, qui est un super film, mais déjà c'est un super réa aussi, et il est beaucoup trop méconnu malheureusement, et j'arrête pas de le défendre un peu partout où je vais. J'ai beau faire ça, j'ai l'impression que les gens ne savent toujours pas qui est Jeremy Saulnier. L'histoire, pour faire simple, c'est celle d'un groupe de punk rock qui en fait se retrouve sur la fin de sa tournée, qui a été visiblement catastrophique, à aller dans un bar paumé dans l'Oregon, qui s'avère être un repère de skinhead. Et je ne vais rien vous dire de plus pour que vous ayez une surprise totale devant son métrage. Jeremy Saulnier est un cinéaste très particulier qui a commencé avec un premier long métrage qui était limite une comédie parodique de films d'épouvante qui s'appelait Murder Party, qui était drôle, mais qui n'était pas non plus foufou. On sentait que c'était un peu limité, que c'était un petit délire qu'il avait dû faire avec ses potes à la sortie d'une école de ciné, et voilà. Mais après, il a fait un film qui pour moi est un monument, qui s'appelle Blue Rune. Et si vous n'avez jamais vu Blue Rune, foncez voir ce film. C'est un des films indépendants américains les plus stylisés que j'ai vus depuis très longtemps. Et même encore aujourd'hui, lorsque je le revois, je me dis que je suis devant un cinéaste qui savait dès les premières minutes de son passage à la caméra comment il voulait mettre en forme son film. Et il a enchaîné avec Green Room. Et Green Room, pour le coup, c'est un film qui va dans la pure filiation de Blue Rune. Parce que ce qui est assez fascinant, c'est que Jeremy Saulnier, lorsqu'il dirige un de ses films, il a vraiment envie de leur donner une colorimétrie particulière. Bah. Et cette colorimétrie particulière, elle va se retrouver dans les titres de ses films. Blue Rune a des couleurs très bleues. Et Green Room, je n'ai pas forcément besoin de surappuyer lorsqu'on voit l'écran derrière moi. C'est intéressant parce que du coup, c'est un traitement de la photographie qui peut sembler très sommaire. Et on va se dire que c'est juste un espèce de filtre qu'on va mettre sur la caméra. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça apporte une vraie ambiance à ces longs métrages. Blue Rune se doit d'avoir une ambiance assez pessimiste, assez glauque, assez macabre, assez triste même d'ailleurs. Le bleu renforce ça. Green Room doit avoir une ambiance malsaine, angoissante, presque terrifiante. Et le vert a souvent été une couleur qu'on mettait plutôt soit en rapport avec l'espoir, soit en rapport plutôt avec un côté un peu terrifiant et un côté un peu glauque. Regardez la plupart des films d'horreur, dès qu'il faut mettre des trucs un peu creepy ou glauques, soit on met du noir, soit on met du bleu, soit on met du vert. Donc c'est intéressant de voir ce cinéaste se servir de cette couleur-là pour renforcer justement le côté très angoissant finalement de ce lieu, de cette espèce d'antichambre de l'enfer qu'est ce bar de skinhead. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans Green Room. Et au-delà de ça, c'est un film qui déjà a deux énormes atouts en termes de casting. Anthony Yelchin, qui est sur un de ses derniers rôles malheureusement, c'était juste après son suicide je crois. Je crois que le film est sorti en salle quelques semaines après son suicide malheureusement. Et surtout il y a Patrick Stewart. Et ça c'est génial, parce qu'il a réussi à convaincre Patrick Stewart de se pointer et de diriger un bar de skinhead. Ce qui est quand même sacré couillu, parce que Patrick Stewart, ça reste quand même le mec qu'on garde en tête comme étant soit dans les Star Trek, soit dans les X-Men. Mais on a du mal à se dire à côté, oh non, mais il a fait d'autres trucs. Et là, ici, il sort complètement de sa zone de confort, il offre un rôle qui est extraordinaire. Et Anthony Yelchin, en face, il a un rôle très fort, il arrive à être extrêmement charismatique en très peu de temps. On peut également citer Imogen Poots, qui a un plus petit rôle, mais qui, voilà, est encore une fois très à l'aise dans ce type de film, et je trouve vraiment l'actrice extraordinaire. Je trouve d'ailleurs que c'est une des actrices les plus sous-cotées de sa génération, alors qu'elle fait des films extra. Bon, après, il y a d'autres films qui sont un peu plus barrés, mais voilà. Mais c'est un film qui me scotche, Green Room, parce que vraiment, lorsqu'il est sorti en salle, personne n'allait le voir quasiment. Le film a fait un bide. Vu qu'en plus, il avait une interdiction au moins de 16 ans, bah, c'était compliqué d'arriver à le trouver dans des salles où qui diffusaient à peu près des films grand public, parce que bah, le film n'était clairement pas grand public. Mais Jeremy Saulnier, c'est toujours un cinéaste qui a eu du mal à convaincre. Je prends même
Le film qu'il a réalisé tout récemment sur Netflix, pareil, il a pas marché. Les gens l'ont déglingué, la presse a pas surkiffé. Il a un style et il a un esprit et une manière de concevoir des films qui, je pense, n'arrive pas à toucher le plus grand nombre. Et je trouve ça un peu triste parce que vraiment, c'est un très bon cinéaste. C'est un très très bon cinéaste. Un cinéaste indépendant qui arrive vraiment à apposer une manière de concevoir le cinéma, de le mettre en forme, de le styliser et de le designer d'une certaine manière. Et moi, c'est ça qui me scotche. Bon, après, je vous avoue que sur ce Blu-ray, il n'y a pas beaucoup de bonus à se mettre sous la dent. Il y a vaguement une bande-annonce, un tout petit making-of très très court. Et encore, making-of, c'est une petite featurette, quoi. C'est le genre de truc qu'on trouve sur YouTube qui fait 5 minutes et qui présente un peu le film. Donc c'est un peu triste parce que je pense qu'à mon avis, le tournage devait être très très cool. Et ça devait avoir de la gueule, franchement. Ça devait vraiment avoir de la gueule. Mais en tout cas, Green Room, je pense que vous l'aurez compris, c'est un film à voir et à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Parce que vraiment, pour le coup, on est sur du pur film de genre bien bien crade et bien bien sale, mais vraiment qui nous embarque dans une espèce d'ambiance hyper angoissante qui fonctionne à 200%. Les acteurs sont excellents. Tout fonctionne. Donc Green Room de Jeremy Saulnier, foncez le voir, vous ne le regretterez pas. Ainsi s'achève cet épisode 16 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Green Room. J'aimerais bien voir vos avis ou ce que vous allez en penser lorsque vous le verrez. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.